Eh bien salut tout le monde, c'est Zayuk5 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je suis en train de vous montrer actuellement un petit gameplay sur du Minecraft où je vais taper deux petits... voilà quoi. Donc j'espère que ça va bien, pour ma part ça va très très bien. Ça fait déjà 3 fois que je recommence cet enregistrement parce que la famille là, elle m'embête beaucoup. À chaque fois ils me font couper, me font faire des ellipses à chaque fois parce qu'ils m'appellent. Donc là j'espère que c'est plus le cas. Enfin bref. Donc cette vidéo du gameplay là, ça dure 4 minutes, je sais pas quoi. Donc il se peut, je pense, enfin oui, je suis même presque persuadé que ça va continuer et que je vais toujours parler parce que j'ai des choses à dire. Donc on va commencer, j'essaie d'aller vite, donc désolé pour, mais bon, vous allez suivre. Hein. Donc on va commencer. Alors tout d'abord, désolé de ne pas vous avoir averti que je serai parti pendant les 2 mois de vacances. J'ai pas averti ça sur ma chaîne parce que en fait ce qui se passe c'est que actuellement je vous mets qu'un let's play là. Le seul let's play qu'il y a sur ma chaîne c'est du PVP Faction sur du Minerack. D'où la fin va arriver là. Donc je vous le dis, je vous spoil déjà, mais ouais la fin va arriver. D'ailleurs, pour ceux qui savent pas, je préfère prévenir. Minerack c'est fermé. Hein. Minerack MC Battle c'est fermé. Et cette vidéo que je suis en train de me fight là, c'est sur du MC Battle. C'est en fait c'est le même serveur du fondateur Mister Disa qui a créé Minerack et MC Battle. Donc enregistrez bien. Donc c'est fini ça. Donc la fin va arriver. Donc voilà. Enfin bon. Donc par ailleurs, pendant les 2 mois, avant même les 2 mois, je comptais mettre déjà mes vidéos à poster sur internet, déjà sur YouTube, mais les mettre en planifi. Mais le problème c'est que je n'avais pas ça. Alors pour ceux qui ne savent pas, quand vous créez votre chaîne YouTube, vous avez le public et le privé. Donc on voulait mettre une vidéo soit public ou privé, et après quand elle est postée, voilà, c'est comme vous voulez, c'est au choix. Mais par la suite, de ce que j'ai pu comprendre, j'ai regardé 2-3 vidéos, c'est ce qu'ils ont dit. Donc si je me trompe, vous me le dites dans les commentaires, mais j'ai remarqué, j'ai vu que il y avait le planifié en fait. Le planifié permet en fait à ce que vous puissiez déjà poster votre vidéo, mais qu'elle soit pas encore visible. Et que quand vous allez mettre une date et une heure précise à laquelle vous aimeriez que votre vidéo soit postée. Eh ben c'est comme ça que vous verrez les vidéos à l'heure précise. Donc, comment vous dire que je n'avais pas encore ça avant de partir en vacances. Donc je me suis trouvé dans un pétrin parce que je voulais à tout prix poster une vidéo, les vidéos pendant les vacances, mais c'était pas possible. Le mois de juillet, vous avez remarqué vous avez eu qu'une vidéo. donc c'était très très chaud, sachant que là-bas la connexion est très faible. Enfin, c'est pas que là-bas dans tout le territoire, il n'y a pas de connexion. Hein. Il y a très bien comme pour certaines personnes, ils arrivent très bien à faire des vidéos alors qu'ils sont aux Antilles. Voilà. Mais là où je suis, la connexion est très faible et la box est faible. Donc comment vous dire que c'était vraiment lui. Pour poster une vidéo, c'était très difficile parce que soit la box coupait et tout, du coup il n'y avait pas internet. Tout. Donc enfin bref. Alors ce qui s'est passé, c'est que vers la fin de juillet, j'ai trouvé, comment vous dire, en mettant mes vidéos en monétisation, j'ai pu avoir le planifié. Donc enfin. D'où par ailleurs en août vous avez pu remarquer que vous avez eu des vidéos à des vidéos de vous avez eu 2 ou 3 vidéos je crois pendant le mois d'août, je sais plus, mais en tout cas je crois que c'est 2 parce que la vidéo qui va suivre comme je vous ai spoilé c'est la fin de Minerack là, donc la dernière vidéo de Minerack, hein, attendez-vous à ça. Donc la dernière vidéo de Minerack va arriver pendant que je vous posterai cette vidéo je pense parce qu'en fait c'est une vidéo annonce celui-là, donc ce n'est pas vraiment une vidéo un let's play ou quoi. Et autre chose, donc en revenant avant de revenir des vacances, ben 2 jours avant de prendre l'avion ou 3, enfin bref, j'ai attrapé le chikungunya. Pour ceux qui ne savent pas, le chikungunya c'est un moustique qui vous pique et tout. C'est un type de moustique qui vous donne la fièvre, des maux de tête et votre corps vous fait ultra mal. Vous avez des courbatures de partout, vous n'arrivez pas à vous lever, bref, c'est la cata totale. Mais la chance que j'ai eue, je peux dire quand même que j'ai une petite chance, c'est que j'ai dû avoir un mini chikungunya. Franchement, les symptômes étaient pareils. Hein. J'ai eu la fièvre, les maux de tête,
J'ai eu un petit peu mal au corps, mais c'est tout. Et jusqu'à présent, des fois, je sens ma jambe un peu engourdie. Mais c'est tout. Mais j'avais pas ultra mal pour, à ne pas pouvoir vous lever. Et je peux vous dire que c'est chaud. Enfin, de ce que ont dit la plupart des gens qui ont eu le chikungunya, ils ont répété exactement ça. Que pour te lever, c'est un cata total. Que c'est très difficile. Je peux vous dire que j'ai une petite chance. Donc, j'ai un mini chikungunya, on va dire ça comme ça. Donc, ce mini chikungunya, quand j'ai pris l'avion, bah, je suis parti avec quoi. J'ai pris l'avion avec ce mini petit chikungunya qui n'est pas. Est-ce que c'est contagieux? Je sais pas. Mais enfin bref, peu importe, ça m'étonne hein, parce que c'est le moustique en lui-même qui vous donne ça. Bref, donc en prenant l'avion, une fois arrivé, comment vous dire que j'étais grave fatigué? Parce qu'il y a eu le décalage horaire ensuite. Et à ce moment-là, je peux vous dire que c'était chaud parce que je comptais faire une vidéo tout de suite pour vous le poster dès le 2. Mais franchement, j'étais grave KO, j'étais malade, enrhumé, tout ce que vous voulez, j'étais cloué au lit. J'ai préféré me reposer. Voilà, et bon, me reposer en même temps un peu geeké aussi, hein. Bon, ça changera pas. Bon, donc voilà. C'est pour ça d'ailleurs, vous avez pas eu de vidéo le 2. Je l'ai pas annoncé que ça allait arriver le 2, mais voilà. Bref, fini de raconter ma vie. Donc, on va passer à la chaîne maintenant. Vous aurez remarqué que depuis que j'ai repris ma chaîne, puisque là ça va peut-être ça va bientôt faire un an que j'ai démarré cette chaîne, et quand je l'ai démarré, j'ai pas fait de vidéo. Enfin j'ai peut-être fait une ou deux je crois, je sais plus. Ouais, parce que ma vidéo populaire actuellement là, actuellement, c'est le qui veut c'est Kill Cheater là avec quand je me fightais avec quelqu'un là il y a dans le temps là. Donc c'est cette vidéo qui est en numéro 1 populaire. Et ça fait 7 mois qu'elle est postée ou 8, je sais plus. Par ailleurs, j'ai remarqué un truc, mais je vous remercie infiniment les gens. C'est que pendant que j'ai mis ma dernière vidéo là actuellement, là, le pillage des Zuki, mais j'ai augmenté en vue là. Donc je vous remercie beaucoup, je vois que ça a beaucoup plu. Ça fait une semaine et demie qu'elle est postée, je suis déjà à 256 vues. Alors que cette chaîne, dans ma chaîne précédente, j'avais atteint mes 1000 vues et tout, mais bon. Comme elle a été supprimée, bon je l'ai dit dans une vidéo, mais bon bref, hein, on oublie, c'était dans le passé. Donc une semaine et demie, et il a déjà atteint 256 vues, donc ça veut dire que je prends de l'ampleur de jour en jour. Et je vous remercie infiniment d'ailleurs aussi pour les 80 abonnés, donc merci beaucoup, je vois que ça vous fait plaisir. Et ce qui m'énerve le plus, si vous voulez dire à 10, c'est parce que je n'ai pas encore le PC qu'il me faut. J'ai des bugs et tout, et c'est très chaud, très chaud, très chaud, très chaud. Croyez-moi, c'est dur, dur de pouvoir de vous fournir du contenu alors que je bug. Donc, même maintenant, mon ordi, je sais pas, il est très fatigué. Je peux vous dire que je lag jusqu'à présent, même des vidéos que j'arrivais à faire avant, j'arrive plus. Je lag, c'est très la cata. Donc, je sais pas comment je vais faire. Mais bref, donc, une fois avoir dit ça pour la chaîne, déjà, donc pour les remerciements. Sur la chaîne, on vous aura remarqué d'ailleurs que j'ai mis que du Minecraft. Alors que ça devait pas être le cas. J'ai toujours dit que sur ma chaîne, enfin pour ma part, que j'aimerais mettre des vidéos diverses et variées, de tout type de jeux. Enfin les jeux surtout qui me plaisent et qui. Bah, si que vous, par exemple, vous allez me demander de jouer et que si ça me plaît, je vais vous le filmer et tout. Donc je peux vous garantir que. Il y a peu de temps là, ça m'énerve de voir que des vidéos de Minecraft sur ma chaîne. Et je vous mens pas. Ça veut pas dire que j'ai envie d'arrêter Minecraft. Hein. J'ai envie de faire tout des vidéos PVP et tout. Mais j'ai envie surtout de mettre d'autres vidéos. Parce que si par la suite je prends de l'ampleur et que je change d'avis et que je commence à faire que des vidéos Minecraft et que après je change d'avis encore et que je veuille faire des vidéos sur des jeux divers et variés. Croyez-moi que ça a porté problème parce que les gens, s'ils s'abonnent, justement, c'est parce qu'ils aiment quelque chose dans tes vidéos. Sur un jeu précis, par exemple, pour certains, ou bien d'autres qui aiment. Enfin, pour la chaîne d'une personne qui fait des vidéos précises sur un seul jeu, c'est sûr que ces abonnés-là, c'est juste pour ce jeu-là. Ceci est logique. Et moi, je vais faire une chaîne diverse et variée. Un côté Minecraft, et je vous dis à ce qui va suivre, déjà, enfin, ceux qui sont sûrs de venir. Du Minecraft d'un côté, du Call of de l'autre, je veux du Kingdom Hearts de l'autre côté aussi, je voudrais du Mario dedans, ça sera par la suite, Mario, bon c'est encore loin, mais je voudrais du Mario,
Je voudrais du Pokémon aussi d'ailleurs. Ces Pokémon, c'est une de mes licences préférées. Bien avant tous les autres jeux. C'est ce jeu qui. Voilà. Après du Pokémon, j'aimerais fournir après des let's play sur des jeux, par exemple. Des jeux comme tu sais, du Tomb Raider, les trucs comme ça là. Donc si je vous dis Tomb Raider, c'est que forcément je ferai un let's play là-dessus. Celui sur PS3 d'ailleurs. Et j'essayerai aussi de me fournir la PS4. Parce que j'ai déjà la Vormedia. Mais le problème c'est que, comme je vous ai dit, c'était il y a 7 mois ou 8. Vous avez dit que Sony a empêché le HDMI 7080p. Mais j'ai aussi remarqué que. Sur Laver Media, il y avait des trucs à faire pour pouvoir filmer avec. Bref, j'en dis pas plus, j'ai même pas encore regardé ça parce que j'ai même pas encore le temps. Je peux vous dire, les gens, que j'espère que je vais pouvoir trouver la solution pour pouvoir filmer parce que cet Laver Media là, ça fait un an et j'ai encore rien fait avec. Enfin, non, ça fait pas encore un an, mais presque. Mais il est enfermé dans un endroit où il prend pas la poussière, donc j'espère qu'il va bien et qu'il me fera pas de lag. Voilà, donc sur la chaîne, j'aimerais vous fournir des vidéos des contenus et bientôt les facecam. Bon, j'essaierai de voir si je peux faire avec mon portable parce que mon portable fait des vidéos de qualité pour le moment. Enfin, pas pour le moment, il fait des vidéos de qualité, mais bon, il faut que je supprime des petits trucs sur mon portable parce que la carte mémoire est remplie. Donc j'essaierai de voir ça pour pouvoir filmer avec mon portable pour le moment. Après je vais m'acheter un Ganon par la suite. Hein. Mais d'abord tout ce qui compte là pour le moment, c'est d'abord je vous dis le PC. J'ai déjà ça commence à monter à 500 euros en poche. Donc plus que 500 encore ça arrive. Je veux un PC déjà dans les 1000 euros. Ça c'est sûr. Je veux pas 200 là. Ça c'est les vieux PC hein, pour ceux qui savent pas. Donc j'aimerais avoir un nouveau PC. Les configs, je vous le mettrai dans ma description. Pour ceux qui aimeraient savoir, à voir, vous me le dites dans les commentaires. Hein. Si les gens me le disent dans les commentaires. Ensuite, le micro, bon pour le moment ça va, mais il faut que je m'achète un microphone. Parce que j'aimerais avoir, comme d'hab, j'aimerais vous fournir encore plus de contenu. M'acheter une PS4 par la suite. Une Wii U aussi peu si possible par la suite, on verra. Après le truc pour la 3DS là, je sais pas. Ah oui, et puis faire aussi des vidéos sur 3DS avec mon portable. J'ai filmé avec mon portable si possible, hein. Bien sûr. J'ai dit si possible, donc si vous voyez pas de vidéo dessus, de toute manière, je vais prévenir. Donc voilà, je pense que j'ai un petit peu tout dit. Je me suis donc pour le moment, donc ce qui va suivre là avant, parce qu'il faut que je vous dise quand même que là je suis en terminale, les gens. Donc qui dit terminal, qui dit bac. Et sachant que j'entame le bac, faut que j'essaie de me le procurer. Enfin, il faut que je me le procure. Donc pour les vidéos, je sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je vous dirai peut-être dans une vidéo suivante, je sais pas, si il y aura un rythme. Franchement, je sais pas. Parce que ce qui se passe, c'est que. Sachant que mon ordi est faible et que je vous fournis que du Minecraft, je crois que je vais peut-être filmer sur ma 3DS sur quelques 2-3 petits jeux. Je sais que ça va pas trop plaire à mes abonnés là, parce que je sais que les 82 abonnés, ce sont des abonnés de Minecraft. Donc je vous dis quelque chose, hein, mes abonnés. Je suis désolé, mais va falloir patienter. Juste patienter, peut-être 5 mois, je sais pas où. Ou 4, ça dépend, mais il va falloir patienter parce que, sachant que vous voulez des vidéos Minecraft de qualité, et je vais vous fournir des vidéos de qualité comme d'habitude, ce qui va devoir se passer, c'est que déjà je vais moins faire de vidéos parce que, sachant que faut quand même que je fasse mes cours et tout, et ça risque d'être blindé, c'est assez blindé mon emploi du temps, donc faut que je trouve mon juste milieu, quoi, que je trouve que je fasse mon planning. Pour pouvoir poster des vidéos chaque semaine. Pour le moment, je crois que je vais juste mettre une vidéo par semaine. Et si vous en avez deux, vous en avez deux. Tant mieux, voilà. Mais la plupart du temps, je crois que je vais essayer de mettre une vidéo une fois par semaine. Après, du Minecraft, si ça sera du Minecraft ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, ce que je vais vous dire, c'est que pour le PC, ça va devoir attendre. 3, 4, 5 mois, comme ça, je sais pas, mais en tout cas, peut-être en janvier, je l'aurai déjà, je sais pas. Hein. Là, c'est franchement du. Je vous dis ça comme ça. Donc, attendez-vous pas
en janvier à ce que j'ai déjà l'ordi. De toute manière, je vous le dirai hein, et tout. Donc j'essaierai de voir si je vais le filmer pour vous pour pouvoir vous le montrer. Parce que je vais monter mon PC. Enfin, je vais essayer de monter mon PC moi-même, puisque ça sera ma première. Il faut bien apprendre pour pouvoir continuer par la suite tout seul. Donc voilà. Sur ce, j'ai tout dit. Donc, pendant que je vais vous poster cette vidéo, je pense que le lendemain, ou soit le jour même, je crois que non, je crois pas. Vous aurez la fin de Minecraft. Donc, il y aura des petits coups de gueule là-dedans. Je vous en dis pas plus, vous le verrez. Donc voilà. Donc sur ce, merci à vous tous de me suivre jusqu'à présent et vous grandissez de jour, ça grandit de jour en jour. Et je sais qu'un jour ou l'autre, on va percer. Je sais que je vais gagner encore plus d'abonnés, vous allez me suivre. Et ne vous inquiétez pas, j'ai pas mal d'idées en tête pour ça, j'en ai. Mais c'est juste que je peux pas encore les exploiter parce que pour ceci ou pour cela, il n'y a jamais l'occasion pour le moment là, franchement. Donc voilà. Donc je pense que j'ai tout dit. Sur ce, laissez un j'aime et laissez un commentaire. N'oubliez pas, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je mette ma config par la suite hein, de mon PC. Quand je l'aurai, je vous mettrai dans la vidéo spéciale justement. Si je le fais, hein, je sais pas. Je verrai selon le temps, comme d'hab. Donc la config. Ensuite, dites-moi dans les commentaires si ça vous fait plaisir à ce que je fasse une chaîne diverse et variée. Même si vous me dites non. Mais je vais voir les avis de mes abonnés, je vais voir à peu près comment vous allez réagir, si ça va vous faire plaisir de prendre une nouvelle route, une nouvelle aventure avec moi et tout, peu importe. Et puis j'espère que sur ce, les gens, on va se faire encore des amis pour pouvoir faire des vidéos avec eux, des gens par la suite. Je compte bien faire des vidéos avec des youtubeurs. J'ai besoin d'avancer. Pas pour me faire d'autres abonnés, parce qu'ils ont plus ou pas, vous pouvez avoir plus ou moins, ça dépend si l'entente elle est là ou pas. Mais c'est juste que ce que je veux vous dire, c'est que j'ai besoin d'avancer, j'ai vraiment envie d'avancer ma chaîne, j'ai une sorte de motivation et voilà quoi, enfin bon. Donc, ça fait déjà 17 minutes que je parle, je sais même pas qu'est-ce que je vais mettre en fond pour la vidéo, mais en tout cas, voilà, laissez un j'aime, un commentaire, n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Et j'ai un petit Twitter aussi d'ailleurs. Je vais essayer d'apprendre Twitter parce que j'ai le Twitter, mais j'ai juste 1, 2, 3, 4. J'ai pas encore, franchement, regardé un peu comment on peut l'utiliser, l'utilité et tout. Enfin, l'utilité, je sais, mais c'est j'ai pas encore vraiment regardé comment on peut l'utiliser. Donc, ah oui. Et avant de terminer cette vidéo, j'aimerais que vous, pour ceux ou celles qui aimerait par exemple me faire des vidéos, enfin pas des vidéos, des miniatures, des bannières, une bannière ou je sais pas, c'est comme vous voulez. Je fais très bien ma bannière tout seul. J'apprends comme d'hab, comme tout le monde. J'aime bien faire mes trucs aussi tout seul. Mais pour ceux qui aimeraient m'en faire, n'hésitez pas. Mais j'aimerais surtout vous demander quelque chose. Pour ceux qui ont une IP d'un serveur. C'est un serveur par exemple qui renferme que du PVP, PVP par exemple, PVP ARA, genre on a déjà le stuff direct et on va se fight, genre on va dire un mini-jeu, où genre on va se fight juste comme ça et puis à chaque fois on se fait tuer, puis on. Voilà, et puis après on reprend le kit, ça du PVP Arena ou ARA, je sais pas comment on dit ça. Donc de me le dire dans les commentaires, de mettre ça dans l'IP. Et dans la non qu'est-ce que je raconte dans les commentaires et ensuite j'aimerais aussi comment dire de mettre l'IP et aussi un serveur PVP faction parce que je pense que je vais peut-être faire une saison 2 pas sur Minecraft ça là je crois que non en fait même s'il a fermé mais je comptais déjà changer je regardais déjà ailleurs mais une saison 2 du PVP faction et avec des gens que je peux dire que je connais déjà plutôt bien entre guillemets mais que j'aimerais faire des vidéos avec pour qu'on puisse avoir une fac de malade pour ceux qui sont possibles de toute manière j'enverrai une invitation voilà et tout ça sera filmé mais quand je ferai la saison 2 je vous le dis tout de suite ça sera sur un bon PC le bon PC parce que je veux pas vous faire une saison 2 encore sur un PC ce PC là qui est faible qui est fatigué voilà. Voilà. Donc j'ai tout dit. Donc voilà. Bon bah 19 minutes, je vais m'arrêter. Donc laissez un j'aime et un commentaire
abonnez-vous à ma chaîne. Et plus on est fou, plus on rit les gens. Je vous aime et je vous dis à bientôt. Allez, ciao tout le monde.